Voilà. Elle est stressée. Ouais. Coucou guys. Tu dis coucou. Coucou guys. Bon, alors vous devez certainement vous demander qui est cette personne à côté de moi. Enchantée YouTube. Donc moi je m'appelle Mighty et aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va je te laisse annoncer la vidéo. J'avais fait une annonce. Je sais pas si vous vous rappelez. Je cherchais une abonnée pour la relooker en moi. Vous avez été mais je ne sais combien à répondre présent et d'ailleurs je vous remercie de ouf. Sachez que ça a été difficile de faire un choix. Au final je suis là et je suis trop contente d'être là franchement. Ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait trop plaisir. Genre limite là depuis tout à l'heure on parle comme une copine en fait. C'est même pas, y a même pas le stress et tout machin. Franchement trop contente. En tout cas sache que ça me fait grave plaisir d'être rencontrée. J'ai envie de tous vous rencontrer. Malheureusement vous ne tenez pas tous dans ma chambre. Et ça fait bizarre d'avoir une abonnée genre sur mon lit. Littéralement là où je dors. Et ça fait encore plus bizarre de se voir genre dans la vidéo alors que tu regardes la vidéo tous les matins quand tu te maquilles. Et là d'être à sa place. C'est chelou. Ouais, c'est chelou, mais c'est bien. C'est chelou, mais bien. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo avec Timaï parce que elle a beaucoup d'énergie. C'est une personne grave cool. J'ai kiffé sa vibe. Et je pense que quoi que tu fasses dans la vie, de toute façon, il faut y aller au feeling. T'es prête ou pas? Je suis carrément prête. J'ai le droit de tout faire. T'as le droit de tout faire. Tout, tout, tout. Elle a carte blanche. Hein. J'ai dit clairement, tu fais ce que tu veux. C'est très simple. On va faire un relooking qui va passer par la coupe de cheveux, le make-up et l'outfit. Je vais te transformer en moi. Et j'espère que t'es prête. Il y a du boulot. Ah oui, il y a pas mal de boulot. On fait les cheveux comme ça. On parle un petit peu. En même temps. Je suis en stress, mais c'est pas genre le gros stress, c'est vraiment un stress en mode je suis excitée, je suis contente d'être là. Et je vous cache pas que je suis un peu en stress quand même. C'est trop impressionnant de l'avoir devant moi comme ça. Truc de fou. Là, je suis là, je commence à raconter ma life en mode c'est ma chaîne, je suis dans la chambre d'Océane. Je sais pas, je me prends. Je suis désolée si j'arrête pas de me regarder dans le retour d'écran, mais c'est juste que. Bah ouais, bah écoutez, c'est ma première apparition sur YouTube aussi, désolée, mais voilà, je fais comme je peux. T'as beaucoup de cheveux? Oui, tu vois, c'est infernal, hein. Mais en plus, là, je te lisse les cheveux, mais c'est vraiment exceptionnel, guys. C'est vraiment pour lui faire la coupe que j'aime bien faire. Sinon, on les aurait laissés comme ça parce qu'ils sont magnifiques, tes cheveux. Non, c'est gentil. Vraiment trop merci. Beau. Toi, ça va, là, tu t'arrives à les récupérer un peu parce que. J'arrive. Ok. J'arrive à les récupérer. Je déteste avoir les cheveux courts, je les ai toujours aimés longs, donc c'est pour ça que je repose des extensions. Mais sous les extensions, mes cheveux poussent, ils poussent très bien. Ils sont super bouclés parce que moi, mes cheveux de nature, ils sont pas lisses, ils sont bouclés. Et à partir du moment où ton cheveu reprend de la boucle, c'est que. Ouais, ça va mieux. Il déjà. Est bien, il va mieux, ouais. Tu vois. Mais c'est un process quand même, putain, il faut. Bah, y a pas photo, faut arrêter la déco. Hein. Ouais, faut arrêter la déco, c'est clair. C'est meurtrier pour les cheveux, c'est clair. L'huile de noix de coco, franchement, y a rien de tel, je vous le dis. Ah, t'as fait partie des gens qui m'ont insulté quand j'ai dit la coco. Et là, voilà. Je ne savais pas que c'était un blasphème dans les îles de dire ça. Et... La coco, mais Océane, même quand tu le dis, tu sens pas la coco. Non, je trouvais ça mignon. Non, moi j'aime pas, ça fait tache. Ah ouais? Le coco, ça sent le coco. Je me rectifie, maintenant je dis le coco ou. La noix de coco. Voilà, désolée, tu vois, mais ça arrive de te tromper, t'inquiète pas. Mais j'avais pas vu la coco. Carrément. J'avais pas vu, sinon je te serais tombée dessus. Ah comme mais tout grave, le monde. Grave, sinon j'aurais laissé mon commentaire en mode non. Franchement, t'es super à l'aise, ça cool. Fait grave plaisir. On dirait, enfin, je ressors à l'aise, mais en vrai... T'es stressée de ouf. Un peu, j'ai pas l'air trop teubée, ça va. Mais pas du tout, tu sais, t'as juste à être toi-même. Tu diras bien quelque chose de drôle au bout d'un moment. Je rigole. Ça y est, bon bah, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. T'es bien rigolette. Par contre, j'ai une tête à dossier. Genre là, tu mets pause sur la vidéo. Je suis pas photogénique quand mais même. Mais tu rigoles, elle est très très belle. Non, je vous jure, je suis pas photogénique. Non, tu es très belle au naturel, t'es une très jolie fille. Faut arrêter de complexer comme ça. Oui, c'est vrai. Non, très vrai. Faut que j'arrête de complexer. Je sors à tout le monde tout le temps. Maintenant, il faut que je le fasse aussi. Non, t'es une très jolie fille, franchement. C'est juste que moi, je suis maquillée à la mort et toi, ouais, pas du mais tout. Moi, pas du tout. Donc ça fait un petit contraste. Ouais. T'inquiète pas, on va mettre du blush et tout et tout. Et moi, j'adore jouer à la coiffeuse. Je sais que t'as bien transformé les gens. Je connais presque tout, en fait. C'est vrai? Mais oui. D'accord, c'est quoi mon signe astro? Attends. Ça commence par un C. Je sais pas. Ça commence par un C. C'est Capricorne. Ouais, Capricorne. Ah, j'en étais sûre. C'est vrai? Mais oui, je le savais. Tu t'y connais, signe astro? Du tout, mais j'adore. Et toi, en tant que Gémeaux, c'est quoi qui ressort tout le temps? On veut plaire à tout le monde. On veut plaire à tout le monde, on veut tout le temps être apprécié, on n'aime pas quand on nous aime pas. Tu peux pas être aimé de tout le monde, non, tu vois, fais-toi une raison. Je pensais que votre réputation, c'était que vous étiez deux personnalités en une. Oui, aussi. Capricorne, c'est comment un peu? Capricorne, on est connu pour être un peu solitaire, déterminé sur l'aspect professionnel. On a quand même un petit caractère, hein. On est quand même des gens avec du tempérament. Mais
Mais je sais pas, on est dans notre vibe, on est des gens hyper affectueux, hyper gentils, très affectueux, et on est des gens de confiance. C'est quoi les mauvais côtés? Parce que là, les mauvais côtés. Ouais, j'en crois pas. Non, mauvais côté, on est caractériel. On peut être égoïste parfois, mais pas égoïste genre je paye pas pour toi, mais égoïste mon bien est important. Alors, j'aimerais trop avoir les cheveux bouclés, genre curl et tout machin, mais qu'est-ce que c'est galère à entretenir, vraiment. Faut avoir le cœur accroché, hein. Vaut mieux s'accepter au naturel déjà. Et laisser les lisseurs et tout, genre en mode artifice, tu vois. Non, moi je suis pleine d'artifices. Oui, toi, oui. Je sais m'apprécier au naturel, mais j'adore le style océan, tu vois, comme quoi. Mais tu vois, plus ça va, là je suis vraiment plus stressée. C'est vrai? Ouais. Au début, j'étais là un peu, hein. Mais là, ça va déjà mieux. Mais je suis en train d'escalader sur toi. Ouais, aussi, ça doit être pour ça. Je veux dire, là, on peut pas être plus proche que ça. Vraiment pas. Une fois que la barrière est brisée, voilà. C'est bon. Tu sens bon. C'est vrai? Ouais. Cadeau de mon chéri aussi, je. C'est vrai? Je précise. Oui. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 3 ans. Et là, on habite ensemble à Paris, on a un chat. Il s'appelle Billy. Comme Billy Eilish? Comme Billy Eilish. Et qui est tombé du 6ème étage. Oh et qui m'a coûté 1300 euros. Le chat, il t'a coûté 1300 euros? Bah ouais, il est tombé du 6ème. Et il était pas assuré. Et 1300 euros de frais de vétérinaire. Pour le réparer? Pour le réparer. Le chat? Ouais. En plus, ils m'ont même pas lavé. Genre, ils m'ont rendu mon chat sale. Alors que j'ai payé 1300 euros. Ils m'ont rendu sale, j'étais dégoûtée. Ça se fait pas. Mais grave, ça se fait pas. Mais il va bien. Enfin, je peux comprendre puisque moi j'en avais un, mais elle s'est enfuie. Oh, tu l'as jamais retrouvée? En fait, c'est faux. Elle s'est pas du tout enfui. Quand j'étais en transition entre Paris et Londres, j'ai décidé de la poser chez ma mère. Elle s'appelait New. Et ma mère, elle s'en occupait parce qu'elle avait pitié d'elle, mais elle la laissait aller dehors et tout. Alors que moi, c'est un chat qui n'allait jamais dehors. Elle était princess. Un jour, ma mère, elle m'appelle, elle me dit ton chat s'est fait violer par toute la ruche. Mais... je m'attendais pas à cette chute là. Enfin, moi non plus. On m'a surpris. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit non et tout, mais ça s'est bien passé. Maintenant, elle règne sur le quartier et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que. Je l'ai donné 2 semaines. La meuf, elle a fini dans un gangbang et tout. Elle était vierge. Elle était vierge. Oh, on n'avait vraiment pas prévu ça pour toi, Agnew. C'était vraiment pas l'objectif. Je pense qu'on a terminé pour la coiffure. Elle prendra tout son aspect quand on aura fait le make-up. Oui. T'es vraiment princesse. Je te dis, c'est très agréable. On va maintenant passer au make-up. T'es prête? Je suis prête. Let's go. La qualité de l'eau à Paris, elle est dégueulasse, non? Je sais pas, je m'en rends pas compte, on est habitué à la merde. Ah ouais, bah ouais, je pense que parce qu'elle est dégueulasse, la qualité. Genre, tu prends combien de temps à te maquiller le matin? Ça dépend, quand c'est pour une vidéo, si je fais des make-up travaillés et tout. La majorité du temps, je sors sans make-up parce que flemme. Bah ouais, mais quand je fais des maquillages où je prends mon temps, je peux me mettre 40 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu kiffes le make-up, mais t'en as... c'est pas un besoin vital dans ta vie, quoi. Tu peux totalement sortir sans. Totalement. Et ouais. J'aime sortir sans d'ailleurs parce que je suis obsédée par la peau, par la belle peau. Ouais. Donc je prends énormément soin de ma peau. Ça c'est cool. Est-ce que t'as toujours eu ce style sexy à assumer ou bien ça a été compliqué de l'afficher, de l'affirmer? Non, j'ai souvent eu un style, même parfois masculin. Ah ouais? Ouais. J'avais coupé mes cheveux très courts, je mettais des vêtements très amples, je montrais pas mes formes. Ah ouais. J'assumais pas du tout ma féminité parce que j'assumais pas nécessairement le regard que les gens y portaient sur ça en fait. Et ça demande un certain aplomb et un certain courage que d'assumer de t'habiller en robe avec des décolletés. Parce qu'il faut pouvoir assumer également le jugement, le regard des gens. Donc quand on me dit « Ah, comment tu fais pour t'assumer ?» Bah sachez que ça a pris du temps avant que j'emmerde les gens en fait. Et une fois que je l'ai fait, bah je l'ai fait à fond. La chose qui me fait le plus peur au monde, c'est l'ignorance. Ah ouais? Ouais, vraiment. Elle est en train de se kiffer de ouf. C'est ça en fait, depuis tout à l'heure, je me regarde, je me dis mais waouh. Quelle tu femme vas adorer. Enfin, j'espère, ça se trouve, elle va détester. Elle va dire, par contre, en fait, tu peux me démaquiller parce que c'est genre dégueulasse en fait. Mais tu te caches pas pour le dire si tu n'aimes pas. Non, t'inquiète. Oui. Quoi, ce réflexe d'ouvrir la bouche là? Je sais pas, c'est peut-être pour écarter nos yeux davantage. Je pense, si même moi je le fais, alors que c'est même pas moi qui l'applique. Mais je sais pas, j'arrive pas à le faire. Même moi, j'en demande. Mais oui, la bouche. Tu vois? Ah mon dieu, c'est trop bizarre. Oh my god. Bah, déjà, il y a une différence, hein. Attends, je crois que j'ai terminé le make-up et les cheveux, guys. Tu vas aller dans la salle de bain, tu vas aller changer pour avoir ton outfit final. Allez, let's go. Tada! J'ai plus les mots. Elle est habillée exactement comme moi. Exactement pareil. Donc, il faut savoir que j'ai commandé ça sur Pretty Little Thing. Je ne lui ai pas demandé son avis à savoir si elle aimait ou pas. Elle a dit je joue le jeu. Jusqu'au bout. Donc j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en penses? Je kiffe. Franchement, j'aurais jamais eu l'idée... d'acheter ça sur Pretty Little Thing, hein, on est bien d'accord. On est mignon. J'avoue. Ouais, grave. Ça me sort de ma zone de confort. On adore. Avec t'as le droit de dire si t'aimes pas. T'inquiète, je sais. Bon, alors de toute façon, la tenue, tu la gardes, hein, c'est cadeau. Ouais. Voilà. Elle te va super bien. Perso, je trouve que ça lui va grave bien. C'est gentil. Le make-up, t'en penses quoi? Moi, j'adore. Franchement, là, c'est simple en plus. T'as pas fait un trop pétant de, ou quoi. De ouais, calmer, voilà. Quoi. Donc, franchement, ça passe. C'est trop beau. J'adore. C'est j'adore. Vrai ouais, grave. On parle tu te sens comment? Je me sens. On dirait ma petite sœur. Mais c'est ce que j'allais dire. Genre, on dirait que c'est ma grande sœur qui m'a pimpée. Genre. Trop mignonne. Mais ouais. On dirait pas les deux connasses dans les films, là, tu sais. T'es pas habillée en orange aujourd'hui. C'est le jour de la couleur orange.
C'est exactement ça. T'as vu? Ouais, c'est je te le dis. Ça. Et moi, je reste en bagouane et je dis rien et je fais juste comme ça. Franchement, je vous avoue que c'est un peu déconcertant. Hein. Attends, en plus, il faut qu'on fasse une pause pour créer la miniature. Okay. Ah, ok, méchante. Méchante, mais pas trop gentille. Ouais, je pense que ça va le faire. Ouais, je pense aussi. Bon, alors cette expérience. Bah, alors cette expérience, elle est trop bien, franchement. J'aurais jamais osé. Là, c'est trop mignon. C'est bon, kiff. On est content. On a passé une bonne petite après-midi. C'était sympa. Moi, je suis trop contente. Voilà, comme quoi, hein. Genre, quand tu vois une vidéo sur YouTube, t'es là en mode, je l'aime pas et tout, machin. Et voilà. Maintenant, je suis habillée comme elle, dans sa chambre. Sur mon lit. Sur son lit. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé, guys. J'ai vraiment envie de tous vous rencontrer, de faire un meet and greet. Mais là, Covid, c'est pas possible. Mais je le ferai parce que ça me fait vraiment plaisir. D'autant que si tout ça arrive, c'est clairement grâce à vous et au fait que vous me supportiez tous les jours. Elle est exactement pareille en vrai. Je pensais sincèrement qu'il y aurait quand même un petit décalage, tu vois, on sait jamais, mais elle est pareille. Pareille, c'est la même en vidéo, c'est la même en vrai. Je me chargerais de bien mettre ça dans la vidéo. Il y a rien, tu m'étonnes. Bon bah tu sais quoi, je vais te laisser dire au revoir à ma place. Oh. Eh ouais, écoute, t'as ce privilège aujourd'hui, t'es dans la vidéo. Bon bah écoutez, on se dit à très... On se dit... T'as vu, moi je me suis... Là c'est ton là, moment. C'est mon... Là c'est ma chaîne. Mais en moi c'est ton moment. Bon guys. Voilà. Ça fait trop bizarre. Guys, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner hein, et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mais t'as géré, ah, c'est vrai? Mais oui, ah, trop bien.